Kate, duchesse de Cambridge et le prince William changent de personnel au palais de Kensington pour se préparer au combat de leur vie avant les mémoires très attendues du prince Harry, a suggéré un commentateur royal. Daniela Elser a souligné des changements dans le personnel du palais de Kensington, y compris le secrétaire aux communications de Cambridge, ce qui indique une conclusion. Elle a écrit, en ce moment, des changements se produisent dans les coulisses du personnel au bureau du palais de Kensington de William et de sa femme Kate, duchesse de Cambridge, qui pointe vers une conclusion, ils se préparent, tranquillement, pour le combat de leur vie. Le duc et la duchesse ont embauché l'ancien vice-président des communications mondiales de NBC, Lee Thompson, plus tôt cette année. Madame Elser a ensuite fait référence au prochain mémoire du duc de Sussex, qui devrait être publié dans les mois à venir. Le Royal Tell All to End All Tell All n'a pas encore de date de publication fixe, mais aura des reins à Londres. En ce moment, elle a ajouté que le prince AP Ed qui semble aimer les règlements de compte pèsera probablement sur l'esprit de William et Kate alors qu'ils attendent le récit entièrement véridique du prince Harry. Le but ultime de Meghan Markle pourrait être saboté en tant que figure polarisante de la duchesse aux États-Unis. Le but ultime de Meghan Markle pourrait être menacé car la duchesse de Sussex est une figure polarisante aux États-Unis, a déclaré un commentateur royal, soulignant une carrière politique potentielle pour la duchesse. L'expert royal Kinsey Schofield a déclaré à Express.co.uk, lorsque Meghan n'est pas d'accord avec quelque chose, elle ne reste pas assise et regarde, elle commence presque immédiatement à essayer de mettre en œuvre le changement. Va-t-elle se présenter à la présidence en 2024? Peu probable. Cependant, il y a de la place pour elle puisque Biden ne s'engage pas. Elle a ajouté, le peuple américain voterait-il pour elle? Je ne pense pas. C'est une figure très polarisante aux États-Unis. La reine n'aurait pas été satisfaite de Boris Johnson et ne l'aurait pas aimé se souvenant mal. La reine aurait été mécontente de Boris Johnson et n'aurait pas aimé son mémoire erroné, a affirmé un expert royal. Ingrid Seward, experte royale et rédactrice en chef, a déclaré au Mirror, la reine doit être au-dessus de la politique. On s'attend à ce qu'elle reste politiquement neutre et bien que ses rencontres avec son 14e Premier ministre, Boris Johnson, se soient principalement déroulées par des appels téléphoniques hebdomadaires, certaines difficultés politiques peuvent encore survenir. Je soupçonne que la reine ressent une certaine sympathie maternelle pour Boris, 58 ans, qui a le même âge que son plus jeune fils, le prince Édouard. Elle a ajouté, malheureusement pour Boris, il n'a pas la chance d'avoir les caractéristiques du genre d'homme qu'elle admire, bien qu'elle ait sans aucun doute été charmée par lui et amusée par ses plaisanteries habituelles. Elle a continué, un peu plus d'un mois plus tard, Johnson a été accusé d'avoir induit la reine en erreur en lui demandant de suspendre le Parlement pendant 5 semaines dans le but d'empêcher les critiques du plan du gouvernement pour le Brexit. Il s'est avéré que le monarque, sur les conseils de Johnson, avait involontairement suspendu illégalement le Parlement. C'était la première de nombreuses marques noires pour Boris qui a abouti à ce qu'il ait dû s'excuser auprès du monarque pour la porte de la fête après avoir organisé 2 fêtes au 10 Downing Street alors que la nation était en deuil après la mort du duc d'Édimbourg, dont un à la veille des funérailles. La reine n'était probablement pas d'accord avec la façon de procéder de Boris et n'aimait pas son mémoire erroné. La superbe princesse Béatrice et son mari Edo ont l'air aimés alors que le couple profite de Wimbledon. La princesse Béatrice et son mari, Eduardo Mappelli Mozzi, ont été félicités après avoir assisté à Wimbledon vendredi après-midi.
Postant sur Instagram, une personne a écrit « La princesse Béatrice est magnifique ». Un autre a qualifié le couple de couple charmant. Tandis qu'une troisième a accepté en écrivant « Ils sont fabuleux ».